pour cette soirée exceptionnelle de dégustation de grandes cuvées de champagne. Tout d'abord, nous souhaitons remercier toutes les maisons de champagne qui ont accepté de participer et de nous soutenir dans notre projet, tels que le champagne Bollinger, Veuve Clicquot, Gosset, Giraud, Dom Pérignon, Henriot, Tétinger, Nicolas Feuillatte et Maille Grand Cru. Nous remercions également le champagne Maille Grand Cru, donc, et surtout M. Muller, son président, ainsi que M. Préau, son directeur, de nous recevoir dans leurs locaux. Aussi, nous voulons dire un grand merci à nos professeurs qui nous ont soutenus tout au long de la préparation de la soirée. Cette dégustation est un moment important qui s'intègre dans un projet de rédaction de guide des vins que nous menons tout au long de notre formation. Nous avons souhaité que ce guide des vins soit différent des autres. En effet, nous ne souhaitons pas attribuer de notes ou proposer un classement, ou alors, mais encore une hiérarchie de vins dégustés. Nous voulons au contraire faire découvrir des produits, mais aussi les démarches techniques vitivinicoles qui ont permis aux élaborateurs de les obtenir. Le but est de faire partager les émotions ressenties au cours de la dégustation à nos lecteurs. La dégustation de ce soir doit donc se passer dans le même état d'esprit. Les cuvées présentées sont toutes des cuvées prestigieuses et reconnues comme telles. Et les chefs de cave présents ici, ce soir, vont tenter de nous faire pénétrer les secrets de leurs élaborations à travers les explications ainsi que leur approche. Nous vous demandons donc de ne pas comparer les cuvées entre elles et encore moins d'établir un classement. Après la présentation des chefs de cave, vous pourrez passer par écrit des questions que vous souhaitez poser. Nous souhaitons que ces questions n'aient qu'un seul but, permettre aux participants de mieux appréhender la cuvée présentée. Enfin, l'argent récolté par la vente des places nous permettra de sortir un guide papier du guide Véron des vins. Pour conclure, je me joins à mes camarades pour vous souhaiter une excellente et bonne soirée. Place désormais à la dégustation. Je vais maintenant laisser la place à M. Véron. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas être long, puisque je pense que vous attendez tous ce moment où on va pouvoir déguster. Juste revenir donc, sur ce qu'a dit Mathilde par rapport au guide Véron des vins. Donc, d'abord, le nom, c'est un petit clin d'œil à un guide un peu moins célèbre qui est fait par un avocat de ce côté de l'Atlantique. Et puis, je voulais quand même juste vous préciser, donc elle a bien expliqué, hein, l'état d'esprit du guide. C'est un guide qui est pédagogique. Hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire... déguster les étudiants en BTS technico-commercial du lycée viticole d'Avis, et puis de valoriser un produit, non pas seulement par rapport à ce qui est ressenti quand on déguste, mais aussi par rapport à ce qui a permis d'obtenir, c'est-à-dire les approches viticoles, œnologiques, et aussi, pourquoi pas, la philosophie. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme une œuvre d'art, si on ne connaît pas le contexte, on a du mal à apprécier, quoi. Donc c'est un peu cet état d'esprit-là que je voulais... développé à travers ce guide. Donc on compte sur vous tous là pour éviter les classements, éviter les hiérarchies. Hein, c'est l'objectif. Voilà, puis je ne vais pas être plus long comme je l'ai dit, donc je vais juste me permettre de passer un petit remerciement aussi à tous les vignerons qui soutiennent les étudiants dans leur démarche toute l'année, en Champagne et ailleurs, à toutes les maisons de Champagne qui nous ont fait confiance, la coopérative de Mailly, on l'a dit, à la presse locale aussi, hein, l'Union, la Champagne viticole, et particulièrement aussi à l'Hebdo du vendredi, et à M. Michaud qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Donc un grand merci à tous. Et puis bah, bonne dégustation, bonne soirée. Voilà. Je vais maintenant laisser la place à M. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Moi aussi, je vais être encore moins long. J'espère que vous, il faut un directeur, ces jeunes de qualité. C'est moi qui en ai la responsabilité et ce soir c'est une grande fierté quand je vois cette salle, quand je lis pour l'instant les vins que nous allons déguster ce soir. Il y a aussi dans ce choix qui est assez ecumenique des coopératives, des grandes maisons de négoce, des récoltants manipulants, tout un tas de vins qui représentent toutes les familles de la Champagne. L'œcuménisme, si vous me le permettez, compte tenu de mon nom, du lycée viticole de la Champagne, qui est là pour essayer de répondre à tous les besoins et à toutes les attentes
du monde viticole champenois. J'en suis aujourd'hui le dépositaire. Je vais essayer avec eux de porter haut cette histoire et ces couleurs du lycée viticole qui est parfaitement en osmose, je crois, j'espère, en tous les cas, depuis plus de 80 ans, avec le monde viticole champenois. J'en profite pour dire que leurs collègues de BTS2 technico-commerciaux vont organiser dans les cadres du lycée viticole le 8 et le 9 mai prochain le 15e salon des lycées, des 20 des lycées viticoles de France et des produits terroirs des lycées agricoles. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Ça servira aussi à eux, en fait, indirectement, à financer leur voyage. Alors merci aussi au directeur et au président du Champagne Malignon Cru de nous accueillir ici. Je ne connaissais pas cette salle, c'était un tort. Elle est magnifique et le temps est de la partie. Je pense que maintenant, nous allons passer à l'essentiel et je vous souhaite une bonne soirée. C'est des moments vraiment qui participent du plaisir qu'on a dans nos différents métiers. Et je pense que c'est aussi la chance de la Champagne de travailler comme ça, ensemble, les différentes maisons, en partenariat avec le Vignoble. Voilà, je crois que ce soir, ça donne une image de ce qu'est la Champagne dans son rayonnement le plus beau. Voilà, donc ça c'était en préambule. Donc ce soir, je vais vous présenter un petit peu la cuvée des Comtes de Champagne. Qui est un blanc de blanc. Alors, ce haut lieu des Pinot Noirs, ben, je vais parler du Chardonnay. Puis c'est vrai que le Chardonnay, c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans les gènes de la maison Tétinger. La maison Tétinger rend vraiment hommage, j'allais dire, dans toutes ses cuvées, et particulièrement dans la cuvée des Comtes de Champagne, à l'histoire de Thibaut IV, Thibaut le chancelier, Thibaut IV, comte de Champagne, qui, en 1240, donc au XIIIe siècle, a rapporté de Chypre l'ancêtre du Chardonnay, en Champagne. Et c'est vrai que dans toutes les cuvées de la maison, le Chardonnay tient une place prépondérante. Et le comte de Champagne en est pour nous l'emblème suprême, dont le projet est vraiment de mettre en valeur le mieux de notre savoir-faire dans ce qu'est le Chardonnay. Donc le projet, il est finalement assez simple. C'est-à-dire que cette cuvée est élaborée à partir des 5 grands crus de la Côte des Blancs. Je ne ferai pas l'affront de vous les nommer, donc on a les 5 grands crus de la Côte des Blancs dans cette cuvée. On a une vinification qui est tout à fait traditionnelle, sur laquelle on ne travaille que sur les cuvées. Pour la petite histoire, Comtes de Champagne, la première cuvée des Comtes de Champagne a été élaborée en 1952. Donc là, on est sur un millésime 99. Donc élaborée uniquement sur les cuvées. Nous avons 5% de ces volumes qui, juste avant l'assemblage, sont passés en fût de chêne, qui apportent une petite patine. On y recherche beaucoup plus la micro-oxygénation que le boisé, que l'on ne retrouve pas dans la dégustation d'ailleurs. Avant de parler du vin lui-même, peut-être un petit retour sur l'année 99, qui était une année... finalement avec des niveaux de maturité qui ont été très beaux. On était en moyenne en Champagne, on était à 10 degrés, sur les Chardonnays un petit peu plus, je crois qu'on était à 10,4 sur les Chardonnays. Et c'est une année pour laquelle on a eu des températures très très importantes, notamment en période estivale, puisqu'au mois d'août et sur la première quinzaine de septembre, on avait des degrés qui dépassaient de 4 degrés les moyennes saisonnières. Donc on a eu vraiment des très très fortes chaleurs qui ont contribué d'ailleurs à une combustion importante de l'acide malique. Et on a cette année-là des acidités totales dans les vins qui étaient très très faibles, puisqu'on était, on a terminé en moyenne champagne autour de 6,3 g d'acidité totale, ce qui est très très faible. Il fallait remonter à 59 pour retrouver une acidité aussi faible. Et depuis 99, on a eu uniquement l'année 2003 qui a été vraiment sur les acidités comparable, même plus faible, on était à 5,8 g d'acidité totale.
Et on retrouve donc des années très chaudes, des années où la calicule contribue à la combustion de ces acides. Et en même temps, l'exercice est intéressant parce qu'il nous montre dans un débat qui anime la Champagne très régulièrement, à savoir que l'acidité est un facteur de conservation de nos vins. Je crois que c'est aussi une année qui nous montre qu'avec des acidités qui peuvent être faibles à très faibles, on peut avoir des vins, des grands vins qui se gardent très très bien. Aujourd'hui, la cuvée qui vous est présentée, c'est la cuvée que nous commercialisons actuellement et qui est encore pour nous, j'allais dire encore très jeune, si je puis dire, qui est très fragrante, très, très précise. Je crois que c'est un bon choix de l'avoir placée en premier. C'est une cuvée qu'il faut aller chercher dans la finesse et la précision. Et donc à la fois, elle est pleine de jeunesse, elle reste en devenir, et à la fois, elle exprime déjà toute l'évolution que l'on peut attendre dans des chardonnays comme ça, sur une maturité briochée, toastée. On retrouve des arômes un petit peu sur le pain grillé, la brioche, le beurre, des choses comme ça. Et en même temps, un fruité assez vif en bouche sur des agrumes, type un petit peu pamplemousse, sur des arômes de pêche, des choses comme ça. Encore beaucoup d'énergie, de fraîcheur dans ce vin. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vous laisse apprécier. Et puis, je crois qu'on va passer un bon moment. J'espère avoir répondu à vos attentes et je vous souhaite une bonne dégustation. Un mot pour parler du champagne en cuve et notamment de la cuvée de Champagne 96.
Donc, le Champagne-Henriot, donc une maison fondée en 1808, toujours un négoce familial dirigé par la famille éponyme. Voilà, on essaie de faire plutôt des vins assez fins. Assez fins et notamment sur la cuillère en champagne, on essaie quand même de garder quand même une évolution assez longue, hein, puisque là, on a dégusté en 1996. Donc l'année 96, une année assez atypique, notamment par le temps, puisqu'on a eu quand même beaucoup de passages entre gel et beau temps. Donc notamment l'avril 96 était un mois très 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 chaud avec des températures jusqu'à plus de 20 degrés. Puis après un mois de mai qui a suivi avec des températures inférieures à zéro, qui a donc perturbé un petit peu le départ de floraison. Et puis une floraison qui s'est plutôt bien déroulée, avec surtout du mélanage au niveau des chardonnays qu'on a trouvé. Donc c'est une de 96 au niveau de l'année de vendange, de la date des vendanges, on est aux alentours de mi-septembre. Avec des degrés entre 10 et 10,5, et une acidité qui est très atypique, puisque très élevée dans le cours de 10 grammes. La cuvée des enchanteurs en elle-même, donc c'est un assemblage de 50% pinot noir, 50% chardonnay, exclusivement en grand cru. Donc, trois grands crus majoritaires de chardonnay, qui sont Abise, Chouilly et Ménil, sur Auger. Et trois grands crus donc de Pinot Noir, Verzy, Verzenay et Mailly. C'est un vin qui est donc plus évolué que ce qu'on a eu précédemment. Donc un vin plus évolué, plus sur des choses plus confites, des fruits plus confits, mais avec quand même une fraîcheur qui reste et une complexité intéressante, et notamment un léger moelleux qui ressort de cette dégustation en bouche. Voilà. Un petit mot avant qu'on pose la question. Donc, cuvée des gens sur pleurs, c'est le nom qui était donné avant aux cavistes en Champagne. Et donc on les appelait donc, ces gens sur pleurs, puisque la vinification se faisait en barrique. Et donc on disait qu'ils enchantelaient quand ils mettaient les barriques les unes sur les autres, d'où les enchanteurs. Voilà, j'avais fini mon petit mot d'histoire. Alors le Champagne Mailly Grand Cru, c'est un domaine de 70 hectares qui est situé sur le village de Mailly-Champagne et qui est très original en Champagne, très particulier, quasi unique, puisque ce domaine, ou cette coopérative, puisqu'on est aussi une coopérative, n'exploite que ses vignes sur le village classé Grand Cru de Mailly-Champagne. Ça donne un caractère très original aux vins produits sur le domaine, puisque tous les vins ne sont produits qu'à partir d'un Grand Cru classé, d'où le nom Mailly Grand Cru. Donc cette histoire n'est pas récente, puisque le domaine a plus de 80 ans d'histoire, puisque la société a été créée en 1929 par une poignée de vignerons qui voulaient résister à la crise et pouvoir valoriser leur récolte en pressurant, en vinifiant et en faisant des bouteilles et en les commercialisant. Et depuis 81 ans, donc les descendants des fondateurs sont toujours restés fidèles à cette philosophie qui était de faire du vin de Mailly avec des raisins de Mailly et provenant uniquement du vignoble de Mailly-Champagne. Donc aujourd'hui, la société, c'est 70 hectares, 500 000 bouteilles commercialisées, uniquement sur la marque Mailly, avec une philosophie et des moyens qui permettent de pouvoir mener à bien cette philosophie. On a sur notre société, donc là on est au 7e étage, on a en dessous 6 étages de production, avec des étages de cas, de vinification. Et la grande particularité des domaines, c'est que nous avons une cuverie qui est vraiment à la pointe de la technologie, qui nous permet de vinifier du parcellaire, donc de pouvoir vinifier sur un seul et même village, énormément de parcelles différentes, un peu à la manière d'un cru classé à Bordeaux ou d'un domaine bourguignon. On a le domaine ici, les vignes autour, et on va pouvoir rentrer à la vendange des vins d'origine différente, enfin de même origine puisqu'ils viennent tous de Mailly-Champagne, mais qui vont provenir de parcelles très différentes, qui sont toutes répertoriées et connues, et qui vont nous permettre de pouvoir, sur un seul et même village, avoir un éventail de vins
provenant de Chardonnay ou de Pinot Noir, du village de Mailly, qui vont pouvoir nous permettre de ciseler, de faire un nombre de cuvées très intéressant pour pouvoir peaufiner vraiment le style de tout le vin de Mailly. Alors, le style des vins de Mailly est très particulier. On est sur un grand cru de montagne de Reims. Donc, vous imaginez qu'on est très riche en Pinot Noir. Donc, nous avons en moyenne dans nos assemblages 75% de Pinot Noir et 25% de Chardonnay. Et dans cette partie de la montagne de Reims, nous avons une situation assez unique puisque nous avons une exposition qui est une exposition au nord. Et cette exposition est vraiment très intéressante puisqu'elle va donner au style des vins de Pinot Noir produits sur Mailly un style très précis, très, très fin, très minéral. On n'est pas sur l'opulence, sur la richesse des vins qu'on va trouver sur la partie méridionale, sur Pouilly, en Bonnet. On est plus sur une expression vraiment sur la finesse, sur la dentelle dans nos pinots noirs. Nos chardonnays, qui sont également placés grands crus, ont une expression qui va être différente des chardonnays de la Côte des Blancs, puisqu'on va être sur une expression plus pinotante, si je puis dire. On retrouve un peu les caractères de pinot dans nos chardonnays, à savoir les chardonnays qui vont être très agrumes, très floraux comme beaucoup de chardonnays, mais avec un côté assez gras, assez riche, qui fait parfois penser un peu à des pinots noirs. Le résultat, c'est que ces deux vins s'assemblent merveilleusement bien, que très tôt, après la création de la société, les vignerons éprouvaient le besoin de planter un peu de chardonnay et de pouvoir avoir une proportion pinot noir au chardonnay qui permettait de pouvoir faire des assemblages qui pouvaient s'autosuffire sur le même village et qui ne nécessitait pas d'aller chercher des crus voisins pour pouvoir élaborer la gamme des champagnes. Alors, cette cuvée des Échansons, on est sur un assemblage, 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay. C'est la grande cuvée de la maison, c'est donc un vin qui a été fait avec une sélection rigoureuse de parcelles. Alors, soit les parcelles les plus anciennes de la maison, soit les parcelles ayant donné dans les meilleurs millésimes les vins qui ont exprimé le plus de richesse, le plus de puissance. Mais comme je vous l'ai dit, Mailly produit des pinots noirs avec aussi un style très précis, très fin. Donc c'est une cuvée assez complexe qui joue sur la puissance du pinot noir et qui va également résonner de toute la fraîcheur, toute la finesse et toute la précision du style des vins de Mailly. Donc je ne reviendrai pas sur le millésime 99 dont Daniel Le Sueur a présenté les caractéristiques, donc très grand millésime en Champagne, millésime très mature, puisqu'on était sur notre village à 10,5 degrés dans les Pinot Noirs et les Chardonnays. J'ajouterais que c'est une année assez généreuse, 99, et qu'il fallait être très rigoureux dans les sélections et dans le choix et le tri d'avant-l'ange, ce qui a nécessité au fin de nos vignerons un tri très important, particulièrement pour cette cuvée. Et le résultat, c'est effectivement donc un vin qui est tout en puissance, tout en fraîcheur également, malgré les acidités qui étaient relativement basses cette année-là. C'est là où on voit la magie d'un grand cru, c'est que même sur des années où les acidités sont plutôt basses, on sent poindre derrière ce côté assez mature, le côté très, très frais, très, très minéral, qui vient de cette exposition si particulière et qui vient également de la craie pure de Champagne. Donc là, le style des chansons en règle générale et sur 99 en particulier, au niveau aromatique, on est sur des notes très, très fruits, très fruits mûrs, sur des notes poire bien mûre, pêche bien mûre, abricot, avec côté un peu pâtisserie, caramel au lait, presque tartatin. On a assez peu de notes toastées. On joue plus sur la pureté du fruit, qui est assez particulière du vignoble de Mailly, sur la pureté. Souvent le fruit blanc. On n'a pas de fruit rouge, même si on est sur un cru de pinot noir. Le fruit rouge sur Mailly s'exprime rarement. On est plus sur les notes poire, mirabelle, pêche, abricot, sur ce registre. Et en bouche, je me répète, hein, c'est quelque chose qui va se faire assez puissant, mais avec une attaque très fraîche. On est sur un vin qui est resté 10 ans au cave, mais derrière cette puissance, on a la minéralité qui va s'imposer et qui va permettre de donner énormément d'allonge au vin et donner un vin qui va se faire à la fois puissant, très précis, minéral, élégant et très bon.
Ça en fait un vin qui est vraiment un super compagnon de gastronomie parce qu'il n'est jamais facile d'avoir un vin qui soit à la fois puissant et minéral, droit et lent. Et donc c'est un vin qui saura toujours mettre en valeur le plat sans trop s'imposer par sa puissance, mais qui grâce à sa fraîcheur, sa minéralité, pourra accompagner merveilleusement bien des saveurs assez complexes hein, sur les risottos de homard, sur les foie gras. C'est un vin qui pourra s'imposer tout en délicatesse, malgré sa puissance. Le dosage du vin, on est à 6 grammes de sucre, et on est à 1 an d'égorgement. Merci de votre attention. Alors malheureusement, M. Demarie n'a pas pu venir. Je suis un autre en passé. Je suis un des œnologues de la maison, puisqu'on débute en ce qu'on va déguster le 98 à la Grande Dame. C'est un hommage, c'est le premier millésime, il était en 62, il était sorti en 72. C'est un hommage à Madame Picot, pour sa mère, vous la connaissez toutes. Elle a inventé la table de remuage, et puis on nous doit énormément pour le vignoble, qui est un vignoble assez qualitatif, je ne vais pas dire le plus qualitatif, c'est un vignoble pour les clients. Ça appartient, on a utilisé seulement des grands crus, donc il n'y a que du pinot noir et du chardonnay, 5 grands crus noirs, haillis, pour la Grande Vallée de la Marne, et après sur la montagne de Reims, c'est Verzy, Verzenay, Ambonnet, Bouzy, et sur la côte des Blancs, c'est Ménil sur Roger à Vise. Donc au niveau du nez, on va retrouver un peu les arômes primaires, les arômes de fruits, de pêche, côté un petit peu agrume. Et en même temps, en second nez, on aura des arômes un peu plus d'évolution, notamment le charbonnier qui va ressortir avec un côté un peu plus tosté, vieux. Je pense que dans les années futures, il va encore plus se développer. Au niveau de la bouche, on peut caractériser ce champagne comme un champagne puissant, qui a une bonne trame, une bonne vinosité. On est majorité pinot noir, puisque pour entrer un peu plus dans le détail, on est 64% pinot noir et 36% chardonnay. Tous les vins de la maison Picot sont à dominante pinot noir. Donc ça fait un petit peu la caractéristique de la maison. C'est ce qui fait aussi que c'est un champagne gastronomique. On va associer, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, je suis là personnellement pour l'avoir dégusté pour nos repas, c'est vrai que ça s'est marié avec un bar de ligne, ou même de la volaille, un pigeon cuit dans son jus par exemple, c'est délicieux, ou le foie gras, c'est vrai que le foie gras n'est pas toujours à la même chose, mais des fois c'est un petit peu lourd, il y a une belle fraîcheur sur le chardonnay qui ressort, et qui permet de l'associer avec un foie gras. En final, je pense que là, vous avez dégusté et que finalement, moi, je l'aime beaucoup à ce stade et je pense qu'il y a encore plus, il y a un gros potentiel de vieillissement. Je sais que personnellement, j'en ai acheté une caisse et je pense que je vais vieillir un peu plus. Je pense qu'en fait, il y a le dominateur commun de tous les champagnes de grande qualité. Quelque chose d'exceptionnel en champagne, en revenant d'une autre appellation, c'est cette notion d'acidité qui permet de conserver un petit peu le patrimoine aromatique du vin. Donc on a ces arômes de fruits, tout ça, qui arrivent à se maintenir au cours des années, et on évite un peu ce basculement que l'on peut rencontrer avec d'autres types de vins, notamment les rouges, où on bascule totalement dans l'évolution. Voilà. Alors pour rentrer dans le côté un peu plus technique, on fait systématiquement la volatique, on a des temps de garde qui sont assez prononcés, puisqu'ils sont de l'ordre de 5-6 ans. C'est vrai que nous, le style, c'est toujours ce côté un peu crémeux, vinosité. Et puis après, le côté, comme je vous ai dit, vinoté avant de griller, que l'on retrouve chez tous les vins de Verfico. Voilà. On travaille à l'os, on n'utilise pas le bois. On laisse ça pour nos vins chez Krogh. Et voilà, donc si vous avez des questions, après. En tout cas, félicitations pour l'initiative d'avoir fait cette dégustation parce que moi, ça me permet de bonifier ma culture du champignon qui reste un peu.
devenu champagne pour Pérignon. Bon, c'est toujours un peu intimidant de parler de Dom Pérignon. Derrière Dom Pérignon, je crois que la première chose, c'est Yann. Il y a un nom, il y a le père fondateur de la Champagne, qui nous a fait ce cadeau fantastique, il y a plus de 3 siècles, de dire « Je fais du vin, et je suis moine, donc homme de Dieu, quand on fait pour le bon Dieu, on ne fait pas bien, on fait parfait, donc je vais faire le vin le meilleur du monde. » Mais le vin le meilleur du monde, ça n'est pas, en plus, c'est pas de l'arrogance, c'est pas une question de suprématie, c'est une question de vision et d'exigence. Et si ce vin porte le nom du père fondateur, et est en quelque sorte le père fondateur des champagnes de prestige, c'est qu'il y a derrière une exigence très forte. Mais une exigence, non pas de suprématie, mais une exigence de se surpasser soi-même. Je crois que c'est la règle que se sont donnés tous les chefs de cave qui se sont succédés sur Dom Pérignon, jusqu'à Richard Geoffroy. Et se surpasser soi-même, ça va impliquer un certain nombre de règles qui vont se retrouver dans l'expression du vin. Première règle, se surpasser soi-même, ça veut dire remettre son titre en jeu régulièrement, et c'est l'obligation du millésime. Un Dom Pérignon non millésimé, c'est un oxymore. Mais se surpasser soi-même, c'est aussi avoir des règles du jeu. Et je crois que c'est une spécificité de Dom Pérignon qui est de se donner un style. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de dire ceci est une exception, on va faire à Dom Pérignon. Il y a quelques cas de millésime reconnus en Champagne où Dom Pérignon n'a pas produit de millésime simplement parce qu'on n'avait pas les caractères pour faire ce vin. Donc, un style sur Dom Pérignon. Grosso modo, on va dire que le style, c'est la partition, le millésime, c'est l'interprète. Il y a des années où on est vraiment au milieu du cadre du style, et c'est le cas du 2000. 2000 est une année qui a permis vraiment d'exprimer le style en plein dans l'axe du cadre, alors qu'il y a des années plutôt atypiques où le millésime a tiré la couverture à lui et on est sur les limites du style. Maintenant, le style, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a d'abord deux équilibres binaires. Autrement dit, des équilibres qui sont sur deux éléments. Et ça, ça va créer une tension, ça va tirer le vin, et l'équilibre du vin va être en fait une succession des équilibres. C'est un peu la démarche du funambule ou de la danseuse de corde. Le vin va progresser, va être étiré entre, d'un côté, l'éclat, la clarté, et d'un autre côté, l'obscur, le profond et le dense. C'est-à-dire qu'il va y avoir un premier équilibre, une première tension entre la fraîcheur et la maturité. Tension entre fraîcheur et maturité, ça veut dire que sur ce vin qui est donc un millésime 2000, donc qui a encore et qui a 9 ans de cas derrière lui, on doit avoir, on a, je le confirme, des notes très très fraîches, très très jeunes, de façon à ce que le vin évolue très très lentement. Alors, la solution technique, elle est très simple, puisque Dom Pérignon, c'est une œnologie minimaliste. La solution technique, c'est éviter l'oxydation le plus possible. Et là, il y a une forme de fidélité aussi au père fondateur, à Dom Pérignon, qui écrivait « L'air et la peste du vin », et finalement, c'est grâce à cette vision qu'il a mis son vin en bouteille pour le faire évoluer, et que le vin, c'est bien aussi, sinon, dans le champagne. Et donc, cette approche très antioxydative va avoir deux conséquences, une sur l'aromatique. Donc, à la fois donner tout le spectre aromatique des arômes primaires, secondaires et tertiaires, mais aussi d'insister sur des notes de minéralité ou des notes violées. Et la deuxième conséquence, elle est même presque gênante pour les dégustateurs, qui est que le vin va commencer à évoluer simplement une fois qu'il est dans le verre. Autrement dit, 10 minutes pour déguster une flûte de Dom Pérignon, c'est lire les 2 ou 3 premiers chapitres d'une histoire qui s'écrit en plusieurs temps. Et je crois que c'est vrai pour un centre de vin qu'on a déjà eu avant,
mais je crois que c'est encore plus marqué ici, ce vin demande à être attendu, demande à être servi même dans des verres encore plus grands que ceux que nous avons ici, pour que progressivement, on voit le vin cheminer dans son évolution. Et là, je parlais d'un premier équilibre binaire, il y en a un deuxième, c'est celui des chardonnays et des pinots noirs. Donc, Pérignon refuse le choix ou du blanc de blanc ou du pinot noir pour être complètement sur l'équilibre. Mais je dis bien les chardonnays et les pinots noirs, car il s'agit de sublimer les plus beaux terroirs de la Champagne. Il y a une précision, il y a un travail préliminaire qui est d'exprimer exactement le caractère de chaque terroir. Et ce que j'ai entendu sur Mailly tout à l'heure m'a vraiment réjoui parce que c'est très très proche de notre philosophie. On est vraiment sur cette pureté, sur ce respect de chaque terroir. Simplement, dans les réunions, on est plutôt sur la sublimation, c'est-à-dire qu'on va être sur un choix de 8 grands crus qui forment le cœur de l'assemblage, 4 grands crus de blanc, Chouilly, Cramant, Le Ménil, Avize, 4 grands crus de noir, Haï, Bouzy, Verzenay et Mailly. Mais ce sont des vins tellement exigeants qu'il faut arriver à les faire travailler ensemble, il faut faire un lien entre tout cela, et on n'a pas trouvé de grands crus pour jouer ce rôle-là, mais on a trouvé un premier cru qui le joue magnifiquement, et c'est le Pinot Noir de Villers. Et là, il y a un côté, j'ai cru longtemps que c'était du marketing, mais je suis aperçu que c'était l'énologie, que c'est vraiment le vin qui va faire tout tenir ensemble. Mais on ne s'arrête pas à ces 9 crus, dont 8 grands crus. Donc Pérignon, par ses approvisionnements, a la capacité d'aller chercher des approvisionnements dans tous les grands crus, et suivant les millésimes, on va jouer sur des palettes un peu différentes. Et même dans les crus que je mentionnais, on va avoir des sélections de parcelles qui peuvent être différentes d'un millésime à l'autre. Donc on est vraiment sur une complexité, mais une complexité dans l'équilibre. Et une complexité qui va refuser aussi le jeu de la puissance. L'intensité de Dom Pérignon se joue beaucoup plus sur la précision que sur la puissance. Pour prendre une image, ça n'est pas un coup de poing dans la figure, c'est une caresse sur le visage. En jouant en plus sur de la texture. La vérité de Dom Pérignon est essentiellement sur le palais. C'est le côté tactique du vin. C'est le côté crémeux, soyeux. Et c'est en même temps, dans sa complexité, ce côté fondu enchaîné qui fait que le vin délivre des impressions successives sans qu'il n'y ait jamais de rupture. Et c'est le côté un peu déroutant d'ailleurs de ce vin, qui est tellement lisse, tellement soyeux, tellement sans rupture, qu'on a du mal à s'arrêter sur une impression, sur un message du vin, parce que le temps qu'on commence à l'identifier, il est déjà en train de dire autre chose. Et c'est la merveille sans cesse renouvelée de ce vin qui, millésime après millésime, reste sur un style et qui, en termes d'évolution, a une capacité d'évolution fantastique. On parlait tout à l'heure, je voudrais parler des premiers millésimes d'un certain nombre de cuvées. Le premier millésime de Dom Pérignon, c'est 1921. Et il y a 4 ans, Richard Geoffroy, le chef de gare, a reçu un coup de fil de New York. Et c'était Christie's, la maison d'autres enchères, qui lui demandait s'il n'avait pas des notes de dégustation du 1921 parce qu'ils allaient vendre quelques bouteilles aux enchères. La réponse était, je suis désolé, non seulement j'ai pas de notes de dégustation, mais je n'ai pas une bouteille en quatre. Mon Dieu, qu'allons-nous faire ? Il y a eu un blanc au téléphone, et après c'était dit, monsieur Geoffroy, vous ne pourriez pas passer à New York un séjour, on pourrait déguster une bouteille ensemble. Et Richard a sauté le premier avion pour New York. C'est pénible qu'on trouve quand même. Parce que, en termes de fidélité au style, il s'est aperçu que le 21 était déjà sur ce qui est maintenant écrit noir sur blanc comme des règles du style de Dom Pérignon. Mais que c'était encore un vin, c'était encore vivant, après 83 ans. Alors je souhaite à chacun d'entre nous d'être dans le même état à 83 ans. Avec une gorgée de Dom Pérignon de 30 ans, ça va. Bonsoir.
je voulais tout d'abord remercier les élèves du lycée viticole et la cave de Mailly pour l'organisation de cette soirée que je trouve exceptionnelle. Tant que, en fait, elle est très sympathique pour la diversité des champagnes qu'on a l'occasion de déguster. Juste une petite introduction sur l'histoire de la famille. En fait, le fondateur, c'était en fait le comte de Villermont, en fait, qui était seigneur de Cuy, de la commune de Cuy, donc, qui faisait donc déjà dans les archives du vin en 1550. Et donc, il s'est associé à un Allemand, Jacques Bollinger, donc, sur la commune d'Ailly, donc, au début du 19e, donc en 1829, donc, pour créer la maison Bollinger. Et donc, en fait, les partenaires actuels, donc les membres de la famille, donc, sont issus de la famille donc, de Jacques Bollinger. Et donc, c'est toujours une maison familiale. Donc, la famille possède 165 hectares de vignes sur les différents crus de la Champagne. Donc, sur la philosophie de la maison, donc à travers cette bouteille de grande année 2000, donc, c'est toujours difficile d'intervenir après donc les réunions et de présenter une cuvée. Donc, grande année chez nous, c'est donc l'expression d'un millésime, l'expression d'un millésime vinifié en fût. Donc, 100% de cette cuvée ont été élaborées en fût. Donc, c'est un assemblage donc, de 100% de cuvée, donc avec sur les différentes vignes de la maison. Donc l'assemblage en général est fait à base de 2/3 de pinot noir, 1/3 de chardonnay. Donc pour être précis, il y a 63% de pinot, 37% de chardonnay. Il y a 76% des raisins qui sont issus de grands crus, 24% de premiers crus. Il y a 16 crus au total. Et donc, bien sûr, la plupart des grands crus. Et donc, dans les premiers crus, par contre, très particulier la maison Bollinger. Donc, il y a le premier cru de Cuy, bien sûr, grand vignoble d'origine de la maison, qui ramène en fait cette particularité du chardonnay. Donc, un cru moins extensif que les grands crus, avec une minéralité, une belle vivacité. Donc ensuite, sur les grands crus de noir, il y a tous les grands crus représentés. Donc, avec donc bien sûr des versants sud sur Ailly, avec des vins très exprimants, très concentrés, très aromatiques. Et ensuite, bien sûr, les grands crus de ce secteur, donc Ailly, Verzy et Vatzonnet, avec bien sûr cette minéralité, cette minéralité, cette finesse, cette puissance et cette durée de gamme. Donc, pour revenir un peu sur l'année 2000, donc 2000 était une année assez classique en Champagne, un degré moyen autour de 10, avec une acidité, on a pas mal goûté, de 99 ce soir. Donc là, 2000 est une acidité un peu plus élevée, on a plus d'un gramme de plus que 99. Donc une acidité très, très classique, très, très moyenne, et qui en fait permet au vin de mûrir de mûrir aisément. Donc sur cette grande année, donc on choisit donc les meilleurs raisins sur les vignes de la maison, sur quelques livreurs de raisins. On choisit des raisins, on remplit donc 3000 fûts. Et donc, mon travail ensuite est de sélectionner les meilleurs fûts parmi ces 3000. Donc, en général, on choisit, on retient à peu près 2000 de ces fûts. Donc, c'est vraiment un travail important de sélectionner ces crus. Et bon, c'est tout à fait passionnant aussi de choisir les meilleurs vins, les meilleurs crus de la Champagne. Donc, ce travail, vinification alcoolique a lieu dans ces barriques, donc la fermentation malolactique également. Et donc ensuite on sélectionne ces vins. Ces vins sont donc en fût du mois de septembre au mois de mars, au mois d'avril, pour avoir cet élevage en fût. Donc
comme vous pouvez le constater, on cherche plutôt donc, cette micro-oxygénation, cette évolution du vin. On essaie d'élever en fait, des vins qui ont toute la carrure pour pouvoir vieillir, pour pouvoir s'épanouir dans le temps. Comme vous pouvez le sentir à la dégustation, c'est un millésime assez riche. Donc vous trouvez donc des notes compotées, des notes confiturées, donc des notes plutôt évoluées. Donc, bien sûr, on est resté sur levure pendant presque 10 ans. Donc on a ce côté toasté, briochique, bien sûr de ce contact de cette autolyse de levure, et donc cette richesse. Et donc ensuite, on a ces notes épicées, de boisées, qui marque la typicité des champagnes condamnées de Bollinger. Donc en fait, ce qui est très particulier dans cette grande année, c'est donc cette longueur en bouche, cette luminosité. Donc, bien sûr, qui est dû bien sûr au pinot noir, à cette association entre les pinots noirs de ce secteur avec les pinots noirs de la ligne. Donc, c'est toujours cette balance que j'essaye de régler en fonction des dégustations. Et donc, cette vinosité, donc, qui vient bien sûr du boisé, de la micro-oxygénation, de l'élevage, de cette sélection. On sélectionne tous les ans vraiment les meilleurs raisins. Alors, il y a eu à un moment donné. Des critiques sur l'année 2000, pourquoi elle serait pas aussi grande que prévu. Mais c'est en fait c'est le travail qui est important, c'est vraiment de sélectionner tous les ans les meilleurs raisins. C'est un travail très difficile, qui va se faire très très vite pendant les moments, mais on arrive toujours à avoir une sélection qui a la concentration qu'il faut. Donc, en fait, d'autres particularités sur la cuvée, donc la cuvée est tirée. Donc une vinifiée en bois, tirée bouchon liège, donc sur l'acte. Donc elle est remuée à la main, bien sûr, donc dégorgée à la main, bouteille par bouteille. Donc toutes les bouteilles sont dégustées les unes après les autres pour éviter la contamination du bouchon. Donc, je vous remercie de votre attention. Chers amis, bonsoir. C'est vraiment un bonheur de partager ces moments de plaisir entre champenois, un moment rare. Et merci encore aux étudiants de avoir eu cette idée, parce que je pense que ce sont des choses à renouveler, on ne fait pas assez de dégustations ensemble. Donc, juste un petit rappel pour la famille, puisque tout le monde parle de la partie historique. Donc, la famille Giraud-Emma est installée à Haï depuis le XVIIe siècle. Il prend cru, bien sûr. Donc, je suis la deuxième génération de la famille. Donc, je vous présente cette prochaine cuvée parce que c'est moi qui l'ai vinifiée. Et donc, maintenant, c'est mon gendre qui a, depuis 4 ans, vinifié la maison Giraud. Je vais vous présenter la cuvée Henri Giraud, Fuchsen, Haï Grand Cru, millésime 2000. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. C'est vraiment la cuvée qui est certainement la plus brillante de l'album d'images de la maison Giraud. C'est une véritable caresse, on va dire, au terroir, dans le sens du vin et dans le sens du millésime. Le terroir d'Haï, je pense que tout le monde ici le connaît, c'est extrêmement riche et généreux, et c'est aussi une finesse, une fraîcheur très élégante. Si vous voulez avoir une image de ça, imaginez un petit mamelon crayeux, à la peau fine et laiteuse. Le sol, il y a 20 cm de sol pour 200 mètres de crête franche. Et la rivière Marne qui baigne le petit mamelon crayeux qui descend un courant d'air frais en permanence sur Paris. Sachant que la partie du vignoble dont est tirée cette cuvée est à l'ouest du vignoble et donc est sous les vents dominants, donc qui sont contraires au courant d'air qui descend avec la rivière. Donc ça, c'est les deux caractéristiques essentielles du vignoble d'Haï. D'un côté, un côté très puissant, très chaud, avec des raisins rôtis,
et de l'autre côté, ce côté toujours frais qu'on perçoit non pas dans le titre d'acidité, mais qu'on perçoit dans les arômes qui sont sur la menthe, l'eucalyptus, quelquefois l'anis. Nous avons choisi, nous, ce terroir, de le faire vibrer en le travaillant avec sous-bois. Donc nous travaillons avec des petits culs de chêne de la forêt d'Argonne. La forêt d'Argonne, c'est la forêt historique de la Champagne. Nous avons une démarche assez particulière par rapport à ces bois, puisque nous achetons les bois sur pied. Nous allons choisir avec notre bérandier les chênes en forêt. Dans la région, notamment dans la région de la Chalade et de Châtrisse, où les sols sont essentiellement constitués de gaises, qui est la particularité de la forêt d'Argonne. Donc bien sûr, nous ne cherchons pas à travailler sur le boisé, nous cherchons à travailler tout le monde sur l'oxydation, et nous sommes aperçus, après avoir essayé testé plusieurs grands chênes, grandes forêts, que la forêt d'Argonne était celle qui respectait le mieux le vin pour la champagnisation. Les familésimes, 2000, ça a déjà été abordé. 2000 était une année très molle, grise, très contrastée en Champagne. Je pense qu'Aïe a été très bien réussie. Il y a eu en fait un accident climatique le 4 juillet à Aïe avec un gros orage, avec des gros grêlons qui cassent les derrières et qui fait des bosses sur les voitures. C'était pendant la fête d'Henri IV, c'est pour les connaisseurs. Ensuite, à partir du 10 juillet, c'était grand soleil jusqu'après les vendanges. Ce qui donne à cette cuvée un caractère assez particulier, très solaire. D'ailleurs, quand vous regardez sur la couleur, on a l'impression qu'elle a attrapé le soleil. Et en même temps, très aérien. Sur la philosophie de la maison, ça tient en quelques mots. La vérité, la générosité. Je pense la philosophie du terroir. Le champagne rassemble dans le monde entier, au travers le monde, les gens pour la réussite, pour les anniversaires, pour la fête. Nous, on a décidé d'ajouter le plaisir du vin au plaisir de la fête, tout simplement. Il y a aussi un précepte qu'on respecte toujours. On ne s'interdit rien et on ne s'oblige à rien. C'est-à-dire qu'on fait, on essaie de faire le meilleur de ce qu'on peut, sans s'interdire, bien sûr, sauf ce qui est en dehors de la réglementation champenoise. Et on va puiser dans l'histoire le meilleur de la tradition, notamment l'élevage dans les chaînes historiques de la Champagne, mais aussi le plus pointu des techniques, notamment le dégourbage au froid, par exemple. Au niveau de la technique, justement, puisque je pense qu'il y avait besoin de faire une présentation technique, comment est-ce qu'on met en œuvre cette philosophie? Ben, c'est très simple. Premièrement, le trait à la vigne, culture raisonnée, on va dire, plus, depuis tout début, 92. Pendant le plus tardif possible. Alors, je dis bien le plus tardif possible parce que je sais qu'en Champagne, c'est pas une mince affaire de faire ça. C'est pas très simple. Nous sommes à la limite extrême nord de la culture de la vigne. Enfin, nous y étions avant le Japon, il m'a dit. Ensuite, beaucoup de soins à la vendange. Dégourbage au froid, je parle d'un vrai dégourbage au froid, c'est-à-dire en fait on fait chuter la température du jus de raisin sorti de pressoir de 8 à 10 degrés sur 3 mètres, avec un goût froid surface raclée. Ce qui donne en fait un dégourbage vraiment exceptionnel et une boule aromatique extrêmement précise. Je vous passe sur les avantages, sur la technique, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler sur le dégourbage au froid. Ensuite, élevage sur lit entière. Sans bâtonnage, sans rien, normal, 12 mois, en petit cul de chêne pour cette cuvée, mais aussi sur l'île entière, en cul d'inox pour les autres cuvées. Hein, c'est vraiment le travail de la maison. Dernier petit mot sur la présentation de la bouteille. Donc c'est un moule de la maison, qui appartient à la maison. Nous avons déposé un brevet industriel pour le col, qui est capable de recevoir les trois fermetures champenoises, c'est-à-dire à la fois la graffe, à la fois le muselet et à la fois la capsule de tirage moderne. Nous avons sorti cette bouteille, vous avez vu, sans papier, uniquement gravée, parce qu'on pense que la vedette, c'est le vin. Et avec ce bouchon agrafé, moi j'ai été élevé avec ces bouchons bifaces, que je trouve très sensuels et très suggestifs du reste, et qui vont très bien avec la forme de la bouteille. Voilà, bonne dégustation, je vous remercie. Bon,
les demoiselles des étudiants, c'est une très belle initiative, bravo. Et puis, quand ils m'ont proposé de présenter Palme d'Or, je leur ai dit, mais évidemment, il y a un certain nombre de cuvées, comme Palme d'Or est en brute, blanche et en rosé, et bon, on va terminer par un rosé. Et puis, comme on a l'habitude aussi de ne pas faire toujours les choses comme les autres chez Nicolas Feuillat, ça permet un petit peu de dénoter. Alors donc, c'est une cuvée totalement atypique en ce qui concerne les rosés. La raison essentielle, c'est qu'on avait commencé, pour la petite histoire, on avait aussi commencé par un blanc de blanc de la maison d'Étinger. On va finir par un blanc de noir, parce que c'est 100% pinot noir, 100% saigné, et de deux villages. Alors la philosophie de cette cuvée, à l'origine, c'est que, je rappelle quand même que la Champagne a trois appellations. Le champagne, évidemment, le coteau champenois et le rosé des Riceps. Et la particularité de cette cuvée, c'est qu'on s'est servi des Riceps en pinot noir, on s'est servi de Bouzy, évidemment, en pinot noir, et on a assemblé ces deux villages pour faire la Palme d'Or rosé sur le millésime 2002, qui est donc la sixième réalisation de Palme d'Or rosé, la première ayant été 1996. Donc c'est un rosé totalement atypique. La première raison, c'est évidemment qu'il est 100% saigné. Il faut savoir quand même que 85% des rosés champenois sont des rosés d'assemblage. On n'est pas du tout en accord avec les gens du Sud, j'ai entendu certains accents du Sud, qui ont pour habitude de juger les rosés avec les couleurs. Alors évidemment, je vous laisse imaginer, pour ceux qui ont déjà fait des rosés de Séville, on est dans des choses complètement atypiques sur le plan aromatique que vous allez découvrir, mais on est aussi sur des choses atypiques sur le plan des couleurs. Il faut savoir que j'ai fait les assemblages en champagne et j'espère que ça va durer en rosé, non pas sur l'aspect mais sur le goût. Et malheureusement, c'est pas toujours facile à expliquer à nos consommateurs qui jugent souvent les rosés beaucoup plus sur leur aspect que sur leur qualité gustative. C'était un petit appel. L'année 2002 qui reste une référence pour le moment en champagne. Pour l'instant, c'est évidemment un très très joli millésime. Des particularités avec plutôt une année chaude et sèche, avec peu de gelée. Il n'y a pas eu de critère climatique très, très important en 2002, mais très belle année. En ce qui concerne l'aspect donc, technique, c'est un rosé de saignée qui macère donc, entre 50 et 70 heures. Alors bien évidemment, ça dépend du millésime, mais les temps de macération sont assez longs. Une fois que les macérations sont terminées, les vins sont soutirés, mis en fermentation et sont assemblés ensuite. Il n'y a pas du tout de passage en barrique, c'est uniquement en cuve. On laisse les passages en barrique pour d'autres cuvées que l'on a également chez le vin. Les dosages sont faibles, là on laisse vraiment le pinot s'exprimer. Voilà, bonne dégustation. Merci. Je vous remercie de votre attention. Et puis nous vous invitons, mes camarades et moi, à passer au verre de l'amitié qui se trouve derrière la salle.